Très bien, bonjour les amis. Ouais. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je commence un peu plus tôt aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Quand je dis beaucoup de choses à faire, je vous cache pas. On a à récupérer. Alors, vous avez vu le titre, je pense. Hein. Pas besoin de vous faire un dessin. On doit récupérer beaucoup d'Aethir. Donc le problème, il va falloir aller shooter les bigorneaux. Et je me suis aperçu aussi que ce matin je me suis payé une petite exploration ici. Je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de campements abandonnés. Donc site abandonné, campement abandonné, là il y en a encore un autre. J'ai pas eu le temps de le nommer parce que je me faisais attaquer. Du coup, là où est-ce qu'elle est croix, c'est là où est-ce que j'ai fait. Et attendez, là où c'est fait, là c'est pas fait encore. Hein. Donc je vous cache pas. Il y a ça et aussi bientôt je vais arrêter Twitch, donc je vais aller sur Kick, K-I-C-K pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas. Donc c'est là-bas que je streamerai maintenant. Donc ceux qui voudront me rejoindre, il n'y aura pas de problème. Entre deux, bon j'ai trouvé aussi pas mal d'Aethir, hein, je vous cache pas. Je voulais pas vous spoil plus longtemps, ou vous le cacher plus longtemps plutôt. Néanmoins, j'ai eu le bâton de glace et la réincarnation des morts. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas les bâtons ou qui se demandent sur lequel se lancer au tout début, hein, quand vous commencez et que vous avez la première fois les bâtons, il y a des bâtons précis à bien récupérer et d'autres qui sont un peu plus difficiles à jouer, je tiens à préciser. Donc j'ai pas encore le bâton de protection, c'est pour ça qu'il me faut de l'Aethir. Enfin de l'Aethir. Donc je vais vous présenter un petit peu les bâtons. Donc le bâton de feu, pour ceux qui connaissent, c'est une grosse AOE de zone. Bon, si le mob il se trouve là et que je tire par exemple à côté, il n'y a pas de problème, le mob il va prendre beaucoup de dégâts. Donc, vous l'avez déjà vu, hein, une grosse boule de feu qui vient à déclencher. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ouais, je voulais vous parler un petit peu des bâtons aujourd'hui, donc on va le faire vite fait. Donc il y a ça, il y a ce bâton là qui est génial pour faire du gros dégât. Donc le dégât moyen est de 120. Donc moi j'ai un petit peu monté, donc je suis passé à 46-82, à la base c'est du 40-70. Donc moi j'ai boosté, je suis allé chasser pas mal, hein, donc j'ai pas mal passé de niveau. Donc on est niveau 22. Donc là ce qui n'affiche pas sur les bâtons, et ça je le regrette un petit peu, c'est que je peux balancer ma boule de feu quand je suis à 32 de mana. Enfin 32 de hate. Et là le problème c'est qu'il m'affiche quand même 35. Donc il y a un petit bug d'affichage à ce niveau là. Je ne peux pas régler ça. Ensuite, on a le bâton de glace. Donc ce joli bâton là. Celui-là, je vous le recommande pas au début, clairement. En gros, c'est pas un. Ça sort. C'est pas un truc qui crache des sorts faciles. Parce que ça fait une. Ça crache un peu partout en fait. Regardez. Vraiment, ça va partout. Ça fait un gros cercle. C'est pas horrible. Ça ralentit cependant beaucoup les ennemis qui seraient à votre contact. Je tiens à le préciser, par contre, si je devais tuer le piaf. Voilà, c'est le dernier obus qui a tué le piaf. Donc voilà pour ces deux bâtons. Donc ouais, moi je vous recommande largement, pour ceux qui aiment faire du gros dégât, qui sont pas forcément adeptes de visée, ou même si vous voulez sauter et tirer en même temps. Ça va être compliqué au bâton de glace. Tandis que le bâton de feu, lui, il n'a aucun problème là-dessus. Et je vous le recommande à 100%. Ensuite, on a ceci. La réincarnation des morts. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Parce qu'il y en a certains qui ont oublié ça. Donc la réincarnation des morts, vous invoquez. Il y a plusieurs types de squelettes. Donc là, on a le squelette à bouclier. Et si je le refais une fois. Vous allez voir que ça va se métamorphoser. C'est le squelette qui n'aura pas de bouclier. Et il y a encore un autre type de squelette, et celui-là, c'est celui que je veux. Et le problème, c'est qu'il ne passe pas les portails. Il passe pas les portails, il rentre pas dans les donjons, ils font rien de tout ça. Normalement, celui-là... Non, c'est pas encore lui. On va encore next, hein. Parce que le problème, c'est que je veux un squelette en particulier. Et ce n'est pas celui-là. Donc il y en a un autre qui est mieux... Enfin, un meilleur en tant que protecteur. D'ailleurs, est-ce que je vais l'avoir là? Toujours pas. Autant tout à l'heure, je le sortais à tour de bras. Mais vraiment, je le sortais à tour de bras. Autant là, il a décidé de pas montrer sa trogne. On va attendre un petit peu. Je vais essayer de réinvoquer. Hein. Toujours pas. Je pense que j'ai allé chercher des potions pour le faire.
Donc ouais, bon déjà ils me sortent ces deux catégories là, c'est pas ça que je veux. Il y en a un autre que je désire avoir. Donc là, l'incantation des morts marche aussi. On peut en avoir plusieurs morts si on a suffisamment de niveau dans l'incantation justement. Le voilà mon petit squelette que je cherche. Un squelette archer. Je vous le recommande, il fait des merveilles. Il chasse tout et n'importe quoi. Même les cerfs, même les sangliers, les nix et compagnie, il tue n'importe quoi. Ce squelette là, c'est franchement, je le recommande. Celui-là, il est magnifique. Donc oui, je vous disais que il y a un petit truc qui est sympa dans l'incantation des morts, c'est que on peut avoir plusieurs squelettes à la fois. Seulement le problème qui se produit, c'est que pour ça, il faut un certain niveau. Ouais, ça pique. Donc, comme vous voyez, là, on a le squelette, il marque qu'il est apprivoisé, effrayé, et on peut le câliner pour qu'il nous kiffe. Ouais. Câliner un sac d'os, faut pas le ramener auprès d'un chien parce qu'on n'est pas sûr de le retrouver au complet. Donc on peut le câliner autant qu'on veut, on peut le renommer. L'avantage, si on voit un ennemi qui essaie de nous attaquer, c'est lui qui va rétorquer, répliquer. Et surtout, pourquoi je voulais l'archer squelette? Je vous le dis tout de suite, hein, je vais pas vous le cacher. L'archer squelette a une grosse capacité de destruction de... j'ose pas le dire, mais en fait... Il nique facilement les trolls. En fait, il y a juste un truc à faire. C'est que s'il y a un troll qui vient à attaquer le squelette, il faut que moi je me mette entre le squelette et le troll. Pour pas que le troll le tue. Et que je fasse des contres. Comme ça, moi j'augmente ma capacité bouclier. Donc ma capacité offensive. Et le squelette, lui, bah, il augmente ma capacité tout simplement de mettre des morts. Et du coup, la dernière fois, bah, vous vous souvenez ceci. Ceci, en fait, je vais pouvoir tourner avec. Ça va me retirer le bouclier. En gros, je n'aurai pas besoin du bouclier. Et je peux tourner avec ça. Enfin, ah non, même pas. Ah la couille. Je peux pas tourner avec. Je croyais que je pouvais. Parce que la dernière fois, on avait bouclier, épée, tout ce qu'il fallait dans les mains. Et c'était faisable. Donc aujourd'hui, malheureusement, lui va pas pouvoir nous accompagner. C'est pour ça que j'ai pris les potions de la nourriture. Ah, il en reste une seule. Donc lui, il va devoir rester là. Malheureusement, je ne peux pas le faire venir avec moi. C'est un petit peu ce que je regrette. Hein. Je regrette juste qu'il ne passe pas les portails. Néanmoins. On va aller se faire plaisir. Je vais juste baisser un tout petit peu le son. Parce que moi, dans mes oreilles, il me paraît très très fort. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va aller se faire là. Aujourd'hui, clairement, il nous faut de l'être. Il nous faut de quoi avoir des petites bulles en plus. Je sais exactement ce qu'on va faire. Donc ouais, j'ai sorti... Ah, je vous ai pas dit entre deux, j'ai sorti quelques nouveaux bâtiments. Histoire de... ça, on en a pas besoin. Ça, on en a pas besoin. Ça, on peut les laisser ici, à la rigueur. Franchement, j'en ai pas l'utilité. C'est génial de pas en avoir besoin. Donc du coup... Hop, hop. Donc là, le truc qu'il y a, c'est qu'on va devoir refaire ça jusqu'à temps qu'on trouve notre squelette avec l'arc. Parce que c'est le seul qui est polyvalent à mon goût. Donc polyvalent dans le sens qu'il peut tout tuer à distance. Alors, pour l'éveil des morts, la puissance contrôlée davantage. Donc plus on aura de puissance, plus on pourra contrôler de morts. C'est mon but. Là, le problème, c'est que bon, je pense que prochainement, que là, je n'ai pas trouvé ça. Le genre avec une épée, ça, c'est vraiment ce qui est con. Hein. C'est que moi, j'en ai pas besoin. À la rigueur, on peut. Ouais, si on va garder le squelette, il peut nous tanker les coups. Et moi, je me mets derrière avec les bâtons et on tabasse. Bon, on va se faire ça. Donc, ouais, moi, je vous recommande de faire ce mix là parce que ça, c'est grosse santé. Là-haut. Du coup, ouais, c'est vrai que on y voit rien, mais si je prends pas le feu follet. Donc c'était quelque part par là qu'il y avait une bestiole. Attendez, parce que là moi je traque. Hein. Le problème que j'ai, et pourquoi je voulais l'archer, c'est que lui il va pas pouvoir toucher les bestioles en l'air.
Non, il y a des gobelins là? Je viens d'entendre des gobelins, j'ai pas rêvé. Ils sont où? Les trous ducs! Allez, voilà. Allez, le squelette, fais ton taf! Allez. Ah, j'ai juste ça à faire. Voilà. Comment augmenter son bâton sans se faire chier? Magie du sang. Donc j'en ai vu un autre qui courait aussi. Je crois qu'il est parti par là-bas. Donc ouais, pour augmenter la magie du sang, il n'y a pas 36 solutions. C'est moi entre la cible et le squelette qui arrive derrière. Donc si c'est un squelette contact comme là, donc moi je prenne l'aggro en prums. Je choisis un contre pour que lui il tape bien fort. Ça c'est vraiment la condition pour pas que le pauvre squelette se prenne des grosses tartes dans la tronche. Malheureusement, contre les bestioles, ça marche un peu moins bien. Néanmoins, j'ai identifié mon valet ici à ce spot là. Parce que là-bas, je sais qu'il y a du tissu. Voilà, tic là par contre. Je peux pas la laisser survivre. Le problème. Ouais, de toute façon, le squelette il peut me suivre partout où est-ce que je vais. Vous allez voir. Hop là! Merci monsieur. Je suis désolé pour lui, mais j'ai tapé la décale de ma vie. Hein. Je déteste ces bestioles. Donc oui, je disais, nous on a un site en fait où est-ce qu'il y a du tissu parce que selon les zones où est-ce qu'on est. Là, je suis très avantagé par cette zone-là comparé à celle qu'il y avait en bas. Sur celle-là, il s'avère qu'il y a des sites qui sont abandonnés. De toute façon, je vais vous les montrer, on va y aller. Ils sont remplis d'insectes. Et ces insectes-là, en fait, je les envoie sur des camps où est-ce qu'il y a des petits gigos là que je veux tuer à la base. Et l'avantage, c'est que je peux envoyer carrément toutes les bestioles sur ces camps. Moi j'avais fait ça, là il y avait un campement, j'ai pris les bestioles et, qui étaient là et je les ai ramenées ici. Pas m'emmerder hein. Donc voilà, et ça se passe super bien, donc je me fais soigner, on me file un bouclier et surtout, il s'occupe de l'adversaire à ma place. Hein. Quand on a plus de bâton, je peux vous garantir, c'est plutôt cool. On va réinvoquer, j'espère que ça a marché cette fois-ci. Oui, mon ami. Ça c'est mon ami. Donc là. Vous voyez? Par contre là je vous cache pas. Le gros challenge c'est de tuer cette merde. Et il est où mon squelette là? Oh merde, j'avais pas vu que cette tique me niquait la gueule. Par contre le squelette je l'ai pas vu hein. Je crois qu'il s'est pris un gros truc dans les dents. Il a pas souffert j'espère. Donc ouais, il y a un gros problème, vous voyez c'est ça, ces bestioles là je ne peux pas les tuer avec le squelette. Parce que le squelette a besoin d'une certaine portée. Si cette portée n'est pas là, le squelette ne fera rien. Et ça je pense que c'est le plus gros problème du squelette archer. Ou de n'importe quel autre squelette en tout cas. J'aurais dû garder peut-être un contact comme ça il m'aurait niqué la tique et puis ils sont plus de résistance avec les boucliers. Et ça peut être un avantage. Ah bon. Là j'ai fait un peu le con, j'aurais dû sortir, je vous cache pas j'ai l'arbalète. Hein. J'ai l'arbalète, autant sortir l'arbalète et on fume la bestiole tranquille. Hein. Donc ouais, donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, Twitch, je vais arrêter Twitch. Donc on va aller sur Kick, K-I-C-K. Et je streamerai là-bas. Parce qu'en fait, je m'aperçois que Twitch, plus ça va, plus ils nous en foutent dans la gueule. Donc quand je dis ils nous en foutent dans la gueule, c'est les restrictions et compagnie, toutes ces merdes. Ça commence un petit peu à faire lourd. À peser lourd en fait. Donc... le fait aussi qu'il y ait trop de pubs.
envie de vous dire, parce que j'en entends beaucoup qui me disent « Oh, il y a une pub, oh, il y a une pub. » Dès qu'on discute, c'est pas marrant. Donc, il y a trop de restrictions à mon goût sur Twitch. Donc, on va partir sur Kick. Eux, ils ont pas de restrictions à proprement parlant. Donc, là-dessus, j'ai envie de dire que ça sera un peu plus sympa. Donc, je connais pas. Je me suis renseigné vite fait sur la plateforme. Donc, je sais qu'il n'y a pas de restrictions. C'est relativement plus souple que Twitch, hein, tout simplement. On va pas se le cacher. Et surtout, on sera moins emmerdé. Donc voilà. Voilà pour le coup pourquoi je pars sur Kick. Pour ceux qui voudront me suivre. Hein. Ça. Et surtout. Ok, ça c'est un lapin. Ouais, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était encore une tique qui venait me chercher ou me sucer le sang. Donc on va réinventer notre squelette tout de suite dès qu'on peut. Et cette fois-ci, peu importe la tronche qu'il a, et c'est un corps à corps. L'arbalète. On va le niquer rapidos avec. C'est du 180. Ok, les deux, non même pas. Attends que je vois, en fait je pourrais utiliser... J'ai trouvé une petite astuce pour les tuer ceux-là. C'est soit je les tire à l'arbalète tant que je vois leur pseudo, je sais où envoyer l'obus. Qu'est-ce qu'il fout là Zeus, il veut pas rentrer dans les terres brumeuses là pour m'aider? Donc tant que je vois leur pseudo, je sais où tirer. De toute manière, je m'en fous à peu près d'où j'envoie le but tant que ça touche. Hein. Ou sinon, deuxième option. Parce que oui, il y en a quand même une deuxième. Hein, je ferme pas la porte à tout. C'est de balancer une boule de feu. Parce qu'ils brillent à mort dans la nuit, ces bestiaux. Donc leur envoyer une boule de feu. Histoire de pouvoir les avoir. Qu'on voit quand même les contours de leur tronche. Et comme ça, c'est plus pratique. Donc une fois qu'ils sont en feu, dans les nuages, on peut courir assez loin, charger l'arbalète, tirer, rebalancer une boule de feu de temps en temps pour les marquer. Et être plus ou moins tranquille là-dessus. Donc nous, il faut qu'on passe... Tata, il faut aussi que j'explore ça. Et je me suis arrêté parce que là, j'avais plus de bâton. Hein, je vous cache pas. C'était la merde. Néanmoins, j'avais trouvé pas mal de ressources qui m'intéressaient. Et surtout, j'ai trouvé la méthode pour tuer... Ouais, si, attaquer en fait les structures des petits gigos là. Désolé pour le nom, hein, il est un peu compliqué. Enfin, tous les noms là de cette zone là, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants. Aitre. L'Aitre, ça. Les tics ça passe. Mais Aitre. Je sais même pas comment le prononce cette merde. Moi je dis Aitre, mais si ça se trouve, je prononce tellement mal. Donc ouais, toi tu me suis Gigos là. Oui, ça sera mon bouclier, hein. Je vais m'en servir comme un gros shield. Allez, boum. Nickel. Allez, du coup, il y avait une structure dans le coin. Je crois qu'elle est juste au-dessus ou derrière, je sais pas. Et le but, c'est d'aller faire ça parce que... si ça marche comme les squelettes et compagnie... Enfin, au niveau des boss. C'est-à-dire que... Ah oui, elle est là, la structure. Peut-être que je vais trouver ça dans un campement ou dans un bâtiment. Je sais pas, en fait. Putain, il n'y a plus rien, là. ah oui, non, c'est à récolter. Merde. Bah nous, c'est là-bas, en fait. Attendez. Pile là-bas. Ah, il est toujours là. Ah, faut que je me méfie, que je regarde bien que le couillon là soit derrière parce que de temps en temps En fait, il me suit pas. Pas ce qu'il branle, mais il suit pas.
Ouais, non, je suis en train de me planter le chemin, c'est pas bon. Il y a un chemin normalement qui est tout plat et qui mène directement là-bas. Attendez. Il aime pas ma sulfateuse, le con. Donc ouais, pour ceux qui sont adeptes du bâton de feu, faut savoir que les bestioles sont... Enfin, moi j'adore les bâtons de feu, hein, je m'en cacherai pas. Parce qu'ils font de lourds dégâts. Et le bâton de glace, il a pas de dégâts en soi. Mais, si on commence à cracher comme ça... On peut tirer jusqu'à temps que le truc il meurt. Oh, bouge de là toi, je veux mon tissu. La thune, on s'en fout, moi je veux vraiment que du tissu. Hein. Donc ouais, le bâton de glace, là, le seul avantage moi que je retrouve, parce que il est pourri en tant que longue portée, il est à chier. Par contre, dès qu'on est prêt, il n'y a aucun problème. Il consomme tellement... il consomme quasiment que dalle en tant que... Dans... En tant qu'endurance, en endurance, enfin en être, il nous consomme quasiment rien. Sincèrement, il nous consomme rien, il consomme que 5 points pour un tir. Et... Bah regardez tout ce qu'on a. On a 140... 100, quasiment 150. 150 fois... Donc ça nous fait 15... Non, attendez. Ah si, 150. Ça nous fait, ouais, à peu près du 3 à 500 de dégâts. Si on vide toute la barre. Enfin, si je touche aussi, parce que j'ai 3 à 500. Seulement si on touche tout. Hein. Parce qu'il y a forcément des obus qui vont partir à Amsterdam, si je peux dire. Hein. Donc, putain, il me bloque tout le temps, lui. Tiens. Il est à fa... Ah, j'ai cru lire affamé. J'allais dire, mais putain, t'as que la peau sur les os, mon pote. Ah, enfin, non, même pas. Il a pas de peau. Justement, ça, le truc, c'est qu'il a pas de peau, ce couillon. Bah, du coup, là, il faut que je trouve le chemin. Ou au pire, vous savez quoi, je vais monter comme ça. Et quand on sera de l'autre côté, je réinvente qu'un squelette. Parce qu'il pourra pas me suivre. Hein. Mais moi, je pense pas qu'il pourra me suivre si je monte là-haut. Mais le but c'est quand même de trouver un chemin pour que j'aille quand même des ennemis à tuer, que le squelette, bon, on monte la magie du sang. Là on est ici, ah bah quoique non, en fait on va pouvoir y aller. Hein. Juste tracer un petit peu. Si je trouve d'autres ennemis, il faudra que je laisse le squelette taper par contre, parce qu'à chaque fois qu'il met un coup, c'est pas comme dans les bâtons où est-ce que, bah il faut que je bombarde. Là-dessus, il n'y a pas besoin. Donc, j'ai pas besoin de bombarder avec le bâton. Ça, c'est l'avantage, c'est que... Et... Voilà. C'est vrai qu'il fait des dégâts de zone parce que les lapins... C'est d'ailleurs, c'est pour ça que je commande le bâton. Parce que le lapin... Le lapin il court tellement vite ce bâtard que je peux pas l'attraper. J'ai cru que c'était des champs. Donc ouais, ça ici. Tout ça, je l'ai déjà fait, donc j'ai pas besoin de revenir dessus. Je sais même pas pourquoi j'ai survenu. Là, vous allez voir, si j'attends deux petites minutes dehors, en fait, il y a le squelette, il va pas pouvoir me rejoindre, c'est ça le problème. Pour ça que là, en fait, c'est limite, j'ai envie d'économiser ma magie pour l'instant. Parce que le temps que je retourne au moins ici. Voilà quoi. On va retourner là-bas. Je vais me rapprocher un maximum du maximum
de la zone avant de réinvoquer le squelette. Oh putain, c'est un os, ça. Ça, c'est un os, là, ici. Ah, merde, il y a celui-là, je le décoche. Allez, hop. Donc ouais, du coup là le problème en fait que j'endure, et je vous cache pas, parce que moi je préfère avoir la santé que l'endurance. Plus tard peut-être que je prendrai que de l'enduro et moins d'HP. En revanche j'ai ça aussi, j'oubliais. Du coup... Et puis il est en face là, vous voyez les petites taches rouges qu'il y a dans le coin. Il y a Vestieux, il est pas loin. Il est juste derrière en fait. Ah bah tiens, il a fini par rejoindre. Il a dû se TP hein. Donc ouais, juste derrière normalement il y a un campement abandonné. Faut que je fasse gaffe parce que je me suis fait bombarder par la créature qu'on entend justement tout à l'heure. Il est où? Bon, on va la bombarder hein, jusqu'à temps qu'elle meure celle-là. Pas le choix. Ça c'est le problème, c'est voilà, il prend l'aggro. Et ça lui fait tellement mal, voilà, il est mort. Ah, c'est ça le problème du squelette, même archer ou quoi. Le gros problème c'est que cette créature là est son contre. Clairement c'est son contre. Et du coup, pourquoi j'ai pris de la potion? Du coup, maintenant, c'est par ici. Voilà, on y est. Squelette, t'es où, petit con? Il est pas là, le squelette, hein. Oh putain, il y a de la tique à mort. Ok, les deux sont mortes. L'avantage vraiment du bâton de glace, c'est ça, ralentir à foison les adversaires. Oh, dites-moi qu'il n'y a pas d'ad... Oui! Aidez-moi, je rentre. Bonjour, bonjour, je boucherai pas de là. Là on peut vérifier un truc, c'est est-ce qu'il y a ce qui m'intéresse. Donc il y a le taux, oui il y en a, il y en a, il va falloir que je ramène une autre des créatures ici histoire qu'il me défonce tout ça, ou sinon il faut que je le bombarde à longue distance. Et du coup
En gros, quand je dis je bombarde à distance, c'est... Je me mets ici. Et c'est pour ça que je recommande le bâton de feu. J'ai raté. Ah, là il se l'est pris. Ok. Ouah, là-bas ça... Si je peux... Ah mais attendez, il y a un autre camp là. Il est où celui qui m'a dit vous le regretterez là? Et là, si je casse ça, ça veut dire qu'eux eux aussi sont dans le brouillard et ça peut m'arranger. Donc voilà, ils sont dans le noir. Alors moi, tout ce que j'ai à faire, de toute façon, c'est pour ça que je me mets là avec le bâton de feu. C'est que je vais bombarder en permanence la zone. Ah là. Et si je me mets là, normalement il peut pas m'attraper. Et moi il faudrait que je vise bien. C'est mort. Voilà. Donc ouais, le but c'est juste que je les fasse sortir et qu'ils se fassent tuer un par un. Et à ce moment là, on va sortir un squelette et il va nous découper le restant à l'intérieur pendant que nous on sera derrière. Il est là-haut, hein. Je veux bien que t'aimes le tuer. Il n'en donne pas, hein. Ah, ça, c'est le gros problème, c'est qu'il donne pas forcément ce que moi je veux. Ah, la boule ne veut pas passer là-dedans. Elle est là. Hein. Je vais pas réussir avec ce truc là. Hein. Est-ce qu'il y a de l'hydromel là-dedans? On fait 4.
Merde. Ouais, maintenant ressortir. Ça va être compliqué. Non! Ah, j'y étais. Un squelette, en plus, il m'attend là-haut. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, on va jeter. Ouais, non, on va rien jeter. Et du coup, bon, normalement, eux là-bas, ils s'attendent pas à ce que je vienne les attaquer non plus. Et on va aller voir ce que c'est que ce site. Parce que celui-là, je le connais pas encore. Et je sais que j'aurais envoyé pas mal de bestioles la dernière fois, donc. Si ça se trouve, il y a eu quelques morts. Mais je sais qu'ils ont un guerrier, un chaman de soins. Il peut rendre les choses difficiles. Y a pas d'entrée? Ah, elle est là. Donc ouais, il reste lui en une étoile. Hein. Non, c'est le seul? Alors, vous êtes à l'origine de tout ce grabuge? Là, t'en fais pas, mon pote. J'attends que le squelette, il arrive. Oh, merde. Oh, merde! Ah ben dommage, maintenant il veut aussi ma peau. Merde, je m'attendais pas à ce qu'ils viennent là. Combat de magie les amis, combat de magie hein. Et... Merde, le protecteur il s'est ramené l'enfoiré. Enculé. Si le protecteur il se ramène, ça veut dire que là je suis quasiment plus de chance de gagner. Hein. Ah lui, cette putain de magie arcanique. Elle est où? Oh yes! Oh yes, elle m'aide! Ah, c'est lui là-bas là. Lui là, il faut le tuer. Merde. Bon, lui il est mort. Donc ça va se transformer en 1v1. Il faut pas que je m'approche de cette putain de boule. Puis il est là. Faudrait que j'invoque mon squelette en fait.
En y repensant bien. On va invoquer un skull, histoire de pouvoir enfoncer les lignes, parce que là le problème je peux pas. Comment ça m'a agacé. Donc on fait ça, on attend un petit peu que la potion puisse revenir. Et surtout de refaire de la magie, parce que là il va nous en falloir un sacré paquet pour aller enfoncer tout ça. Ok. Ça, c'est le chiant parce qu'il va se régénérer en permanence, lui. Le truc qu'il y a, c'est qu'il faut que je l'harcèle en même temps que le squelette, il est derrière. Faut pas qu'il regène trop sa santé, ce petit con. Oh, merde. Allez, c'est ça le challenge, c'est de le tuer. En ayant sa magie de merde qui vient tout le temps me contrer. Voilà, ouais, genre ça. Allez. Sa magie, elle me fait chier. Ouais, là, il va regénérer en permanence sa santé. Moi, je peux pas faire grand chose en fait pour le tuer. Ça qui rend ce magicien de merde si compliqué, c'est que s'il invoque ses boules de feu, là, je suis mort. Clairement, il faut que je... Casse-toi de là. Allez. T'allais dire que même avec le squelette, j'arrive pas à le tuer lui. En gros, faut pas que je me mette trop près. S-Raden, plus 11 de santé, salaud! Ah, vous savez quoi, je vais rentrer dans le camp. On va piquer les caisses et on va se casser. Donc je vais mettre ça. Elles sont où? Allez, voilà. Ça en fait 15. T'as vu la puissance de sa merde là? On s'en est pris qu'une, hein. Alors on se casse. Du coup, il faut que je retourne sur l'autre. Où est-ce qu'il y avait les bestioles?
Ok, du coup, et maintenant on va se faire le deuxième. Et si j'en ai encore 15, on peut rentrer et tenter d'améliorer les deux bâtons. Enfin, les bâtons. Et il faudra aussi que je me fasse 15. Normalement, j'en ai 2 ou 3 qui traînent à la base. Merde, je sais plus où est-ce qu'il était. Ok, on a une caisse là. Moi, faut juste que je le congèle en réalité celui-là. Histoire que le squelette, lui, fasse le ménage. Non, il est mort. Vingt-sept. Donc celui du campement il est fait, celui-là il est fait. On peut remonter là-haut pour aller voir ce qu'il y a et tenter de les tuer. Même si les 27, ça me tenterait bien de les ramener à la maison. Parce que j'ai encore des trucs à faire. Je veux aussi faire comment dire, la tenue magie. Merde, il est là. Donc nous, le camp, il est ici, là, voyez. Salut, tu m'aides? Normalement, il devrait pas tarder à apparaître l'autre là-haut. Aïe, putain de pique. Alors moi, c'est lui qu'il faut que j'aille voir pour la... Oui, c'est un humain. Putain la vache, les yeux violets qu'il a lui. Je reste là un petit peu. Hein. Et on va scruter ici, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont aux aguets. Hein. Franchement, ils sont tous aux aguets. Donc là, il y en a 3 seulement. En soi, les attaqués sont trop nombreux. Ouais, en plus, il y a un niveau 2 là. Regardez-moi ça. Lui il a trouvé un ennemi. Là il y a encore une structure. Attendez. Bonjour, vous avez fait l'envoyage. Ok, il y a encore une structure ici. Je pensais pas en trouver autant. Hein. Je pensais que j'avais trouvé beaucoup de structures la dernière fois, mais là. Il y a un truc qui attaque là, je crois. Pas si c'est là-bas ou ici. Ah, c'est là. La tarte. Bon, il est mort, hein, clairement, il va pas faire le poids. Ce que je peux faire, moi, en attendant, en fait, en réalité, si je veux augmenter la magie du sang, c'est rester ici, planté et attendre. Attendre qu'il y ait une cible qui vienne. Genre là, il y a le form... Ah, squelette, là, s'il te plaît, tu le vois là? Nice.
Oh, ils ont bombardé la structure, c'est con. En quoi le problème de là? Allez, si je m'éloigne un petit peu, on ne verra plus la structure. Et mon problème, c'est ça. C'est qu'il faut que je vois en permanence la structure à attaquer, que ça soit avec le bâton de feu ou autre. Ce qui rend la chose un peu compliquée et délicate. C'est quoi qu'il a trouvé là? Le monde a beaucoup changé depuis le dernier départ de notre peuple. Imaginez à quoi il ressemblait, je n'ai pas eu le temps de suivre la liste. Essaye de parler un peu moins vite mon petit, tu seras sympa. En soi... Je pourrais me mettre ici hein, voyez là. La petite hauteur qu'il y a. Je pourrais me mettre là-haut. Ah, il a encore vu un lapin lui hein. Donc ouais, je pourrais me mettre ici, faire venir les mobs là et bombarder la zone. Ouais, leur tour elle est là. Je pourrais faire ça et le squelette lui serait là, il serait dans la continuité. Allez hop là, c'est parti, on bombarde. Non, ça touche pas, attendez. Ah trop. Là, on va en toucher au moins un qui vient ici. Et là je vois qu'on n'a rien touché hein. Bon, on va battre la tour. Quand on n'a aucune solution, je vous cache pas, le mieux c'est d'abattre la tour. On va la cramer. On va faire un gros trou dedans, Balazar et toutes les boules dedans, tout cramer. Donc là, ils doivent être bien vénères quand même hein, là-bas. Donc ouais, là-haut, je vois quand même un squelette, hein. Enfin, un bonhomme, là. Voilà, je vois sa tête, ici. Merde, je vais pas descendre, hein. Là, ça touche. Il fait plus loin, et là, je l'ai en pleine tronche. Ah c'est pour ça le squelette. Il veut me tuer lui hein. Mais il y arrivera pas. Ah, peut-être un peu loin là. Quoique ça a peut-être touché hein, qui sait. Ah si le couillon il rapique ici je serais heureux. Enfin heureux oui et non. Attendez, c'est le feu ou quoi? Ou si c'est le mec en feu? Oh merde.
Donc le mage de feu est mort. Voilà. Il nous reste l'autre. Ok, l'autre aussi est mort. Ok. Ouais, normalement il y a une attaque. Attendez. Putain, il y a encore un magicien de feu. Tayo, Tayo! Ah ouah! On trace, hein? J'ai plus de potions en plus. Ah, merde, ouais, j'ai plus de potions là! Bon, on y revient. Je pensais que j'avais niqué tous les mages. D'ailleurs, j'en avais compté deux magiciens de feu. Mais le troisième, je sais pas d'où il sort. Donc on va manger ça, ça, ça. On va se prendre ça. Ça et. Bon, ça, c'est l'endurance. J'en ai peut-être pas besoin. J'aurais préféré qu'il y ait, comment dire, des potions pour régénérer la mana. Ça aurait été plus utile. Et je pense que ça sera dans la prochaine mise à jour. Où ils vont peut-être nous ajouter des sorts peut-être supplémentaires pour les bâtons. Ah, il y a encore un. Hein. Parce que là on voit la magie des autres, moi ça me fait triper hein. Ah, je peux pas faire les halos comme eux ils font. Ah ouais, par contre on est mort bien loin quoi. C'est pas grave, on va speedrun. Ouais, ma gourmandise, hein, voyez ce qu'elle donne. Jamais bon hein. Néanmoins, c'est, si j'avais à faire le camp qui était qu'on était, on peut se mettre bien. On est là, c'est tout droit. Et tout ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est par là-bas. Oh, on y est bientôt. Faut juste que j'esquive les camps qu'on a déjà fait. Lui il va pas m'attaquer. Ouais, bienvenue. Bienvenue pendant que moi je suis en train de déglinguer tes potes qui sont à l'autre bout. Alors en gros c'est ça hein, les amis.
Regardez à quel point ça régène. 50, 60, 70, 80, 90. Oh, ça c'est du niveau 1. Ou du niveau 2, je sais. Ouais, niveau 1. Pas trop curieux de savoir quel dégât elle peut nous faire. Parce que là on est à poil. Ça veut dire que ça va faire super mal. Pas vrai, on court très vite hein, quand on est nu. On est ici, le but c'est d'aller là-haut. Attendez. Là, on va mettre un point d'interro. Je pense que c'est là. Pas ce que c'est, mais ça me paraît gros quand même. J'ai jamais vu trois lumières comme ça alignées. J'ai jamais vu ça avant. Aïe. Oh! Lâche-moi, lâche-moi. Donc. Elle m'a suivi. Étasse. Lâche-moi les basques. Je vous jure, on est en train de tracer. Encore des os. Ouais, elle est là. Ah, je crois que je touchais des trucs. Eh hey, oh. Non mais hey, c'est pas juste, y'a que moi qui... Y'a que toi qui me touche là. Tiens, attrape ça. Et meurs. Merde, lui il est à nouveau là. L'avantage c'est qu'on a des popos de 150. Ah mais il me fait chier lui. Putain, il bombarde hein. Fumier. Elle nous a même pas donné de tissu.
Ok, on a eu un tissu en plus. Ça on s'en fout. Ah non, le tissu là je peux pas le laisser passer hein. Clairement je peux pas laisser passer le tissu. Ça on en a trop, ça on peut pas l'emmener. Donne-moi ça. Première fois que j'ai un stack complet de tissu quoi. Par contre j'espère que là où il y a personne sinon... Quoique on a bombardé le dessus donc c'est bon. Donc ça je vous le cache pas, je m'en fous un petit peu. Même beaucoup. Donc ouais là je pense qu'on va rentrer parce que clairement 45. 45, je peux pas laisser, on peut pas laisser ça passer. Hein. Et surtout, là, il faut qu'on rentre. On a les bâtons à réparer, les bâtons à améliorer. On a le bâton de protection à faire aussi. Peut-être des éléments de défense. Enfin, de défense. Ah, je suis fort. Des éléments de magie à faire. Est-ce qu'il y a du monde là-dedans? Je vois une bestiole qui est tournée autour. On se casse. Je vais juste vérifier ici. Donc nous c'est par là-bas. Juste au-dessus. Celui-là on l'a fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Et celui-là c'est bon.
Moi qui voulais éviter de la contrarier cette bestiole. T'as même en la congelant, elle avance vite hein. Salut. Tiens regarde, j'ai un ami pour toi derrière. Votre ami qui gagne. Si la bestiole tue le dverg, on tue la bestiole. Et si le c'est l'inverse qui... Oh putain l'enculé, il allait me la ramener hein. Si c'est l'inverse qui se passe, bah on tuera le survivant quoi qu'il arrive. Là les dégâts par contre du bâton de glace ils sont blancs. Il aime pas la glace. D'ailleurs ces deux bâtons c'est le seul qui si je tape à l'arrière de la bestiole fait du dégât jaune hein. Voilà. Là où il y a une structure. Ou pas. Comment dire qu'on a quand même 52 tissus pour faire les bouboules. Et du niveau 1. Encore l'autre, elle aurait été toute seule. Niveau 0, pas de problème, je t'éclate. Et là... Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y en a autant de bestioles ici? Ah, s'il y a des gobelins, je suis heureux de les voir. Hein. Squelette. Ah si j'utilise la bombarde là tout de suite. J'ai tué tous les squelettes au passage. Ah j'ai tué tous les squelettes qui étaient à côté. Bon. Néanmoins on n'est pas mort hein. Allez. Bon l'inconvénient les amis c'est qu'on n'a pas les on n'a pas la résine pour l'instant. Enfin je dois en avoir peut-être un petit peu. Oh 6. 6 résines mais on va pas aller loin avec ça. Ne vous en faites pas. En fait j'ai largement ce qu'il faut logiquement. Je dis pas de bêtises. Donc oui d'ailleurs aussi pour ceux qui connaîtraient pas qui connaissent cette machine là, il y a un endroit où on peut la mettre sans que les bâtiments prennent de dégâts, c'est quand on a du marbre noir comme ça. Alors, regardez, hop là, 0 dessus, ça fait pas de dégâts sur le marbre noir. Donc pour ceux qui voudraient le mettre dans un bâtiment et vous savez pas quoi,
Vous créez un sol en marbre, un toit en marbre et des murs en marbre et vous mettez la machine dedans. Et justement, elle ne fera aucun dégât à vos structures. Gros avantage, sans être emmerdé. Vu qu'on va aller à la petite ferme. Donc ouais, 21, ça va aller. Donc ouais. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai pas encore de date pour aller sur Kick. Et je pense que la semaine prochaine, on pourrait s'y retrouver. Hein. Ben, il en reste 5. Je viens de me prendre. Ah bah oui, ok, c'est un tir électrique et empoisonné alors. Merde. Ah, et puis on s'en fout, hein. Si c'est empoisonné, c'est empoisonné. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, le seul but, c'est de remplir la machine là pour pouvoir faire ce que je veux. Donc déjà, il y a les bâtons à améliorer. Il y a le bâton de protection à récupérer. Et surtout, il me semble qu'il y a des attaques que je n'ai pas encore trouvées. Non ? Eh, toi, attrape ! Touché. On en a 5. Je vais aller voir qu'est-ce qu'on va améliorer. Je pense le bâton de feu en prio. Bâton de feu, donc c'est 8 et 10. Logiquement, j'ai ce qu'il faut. J'ai les 10, j'ai les 2 sur moi. Et les 8, le temps que ça se fasse, ça devrait aller. Ah non, le bois il est là. Ça, j'en ai 18. C'est à dire que les autres, il va falloir que j'aille rechercher du bois pour les faire. Hein, qu'il nous en manque 3. Enfin, j'hésite, soit je fais directement ça, soit on choisit de l'équipement à faire. Là, je vais regarder vite fait. On va réparer déjà les bâtons et compagnie. On va voir la suite. Parce que là on aurait la cape en plume qui m'intéresse, parce que là on tomberait à 5 mètres par seconde et dégâts de chute est moins 100. Ça c'est bien. Ah, qu'est-ce qu'il dit lui? Alors voilà la fameuse, vous avez l'air d'un minuscule fragile, dites à Odin que vous avez peut-être brisé cette forme mais que les contraintes sauvages, enfin les contrées sauvages ne se plieront jamais à sa volonté. Très bien, mais on s'en fout. Donc ouais, il y aurait les capes. Regardez, la protection, l'armure, elle est à 16. Nous, l'armure. En fait, il y aurait la cape qui m'intéresse énormément. Résistance versus la glace, c'est exactement ce que j'ai. Sauf que là, la gravité n'est qu'un effet d'entropie. Vitesse réduite. Enfin, limitée de la chute à 5 mètres par seconde. Ce qui est très très lent. Et les dégâts de chute sont à moins 100. Et moi, ça, je le veux.
Ah, voyez, ça, c'est la cape que je veux. Donc, on va commencer à prendre la cape. Donc, ça, ça sera la priorité, ça sera la cape, clairement. Et pour la suite, on verra bien. Donc, là, je pourrais déjà faire le bâton. Hein. Enfin, de toute façon, on en a encore 20. Et ici, on en a encore 24. Bon, on peut faire le bâton de feu. On va se l'améliorer tout de suite. Ça fait 45, 81. Ah, on a perdu un petit peu, hein. Parce que j'étais à 48, ouais, 48, 86, regardez-moi ça le feu. On a baissé un petit peu, hein. Ça me plaît pas. Donc du coup, il nous faut de la peau de lapin. Je crois que c'était 5 et un petit peu de plumes. Donc il va falloir qu'on aille rechercher les sèves. On en a un. Ouais, je vais aller rechercher de la sève parce qu'on en a fortement besoin. Donc ça. Là. Là. Faut croiser les doigts que j'ai de la sève. Donc le problème qui se produit, c'est que si je fais ce que je veux et que je produis les pièces d'armure pour la magie, j'ai plus de résistance personnelle. Faut que je la tue sinon elle va me niquer la maison. Ça fait pas mal de dégâts ce truc là. Hein. Ah, moyenne portée, ça fait quand même le taf. Hein. Par contre, c'est très très dur de toucher son point faible à celle-là. Oh, désolé. Putain, c'est dur de viser quand on éternue. T'as le problème, je peux pas retourner à la maison là tant que j'ai ça au cul, hein. C'est pas possible. Faut vraiment qu'on arrive à tuer. Je pourrais toujours l'allumer à l'arbalète, mais pas pratique quoi. En fait, le bâton de glace, je vous le dis tout de suite, hein, il s'en détourne. Cette créature là, à deux. Elle est gérable à ouf, de ouf. Celui qui a le bâton de glace prend l'aggro, donc la congèle pendant que l'autre fait le tour et va la détruire.
Elle va me haïr cette bestiole là. Ok, elle est morte, ça c'est parfait. On en a que 8. Et n'empêche, elle nous a mis beaucoup de temps à se faire tuer celle-là. 9. Et 10. Donc 9, il nous en manque encore 9. Et vous savez quoi? Faut que je tue des trucs avec le squelette. Le problème qu'il y a, c'est que les terres brumeuses, je peux pas emmener le squelette parce qu'il est trop poivre. Désolé mon petit sac d'os, t'es mignon mais pas là-bas. En fait il faut que je campe limite la forêt noire, la... Ouais la forêt noire, là-bas il arrive à bien se débrouiller. Terre brumeuse, j'ai pas encore vu, mais on pourrait y faire un petit saut histoire de voir. Mais il n'y a pas assez d'ennemis à mon goût. Et les plaines, compliqué. Par contre, je peux vous garantir, le squelette, il est super bien pour un truc. C'est que si vous êtes en train de miner, donc cuivre ou autre, bah vous pouvez facilement monter les niveaux du squelette comme ça. Et moi, j'aime bien l'avoir exprès pour ça. Donc il est apprivoisé mais il est effrayé. Pourquoi il est effrayé? Qu'est-ce qu'il effraie? Shift G E. Il semble avoir faim. Attendez, il semble avoir faim. Un squelette ne mange pas. Mais s'il mange, qu'est-ce qu'il mange? Parce que là, franchement, j'ai un doute. Il semble avoir faim, mais ça mange quoi un squelette? Des os? Ah, il lui manque un petit truc là, regardez. Pour manger, il lui manque quelque chose. Une gorge, un estomac, je sais pas moi. Et il semble avoir faim, mais attendez. T'as faim? Y'a pas une boboule qui veut passer là, y'a un squelette qui a la dalle. D'accord, en plus il faut que je finisse ça là, cette structure. treize, donc il nous en manque 7. 6. En plus il me fait mentir le truc. Donc il nous en manque 6, bah, dès qu'on a les 6, bah, on peut aller se promener.
dans sa gueule. Cette fois-ci, je l'ai pas raté. Je le plains, le pauvre. Donc ouais, lui, je sais pas ce qu'il mange, parce qu'ils nous disent qu'il semble avoir faim, mais il peut pas manger. Il est mort. Un mort ne peut pas avoir faim. Donc c'est faux ce qu'ils nous sortent. Donc ouais, pour la machine, ce que je vais faire, c'est ici, je vais creuser un petit peu. Ah non, même pas, attendez. Je vais chercher ce qu'il faut et je vais voir si ça marche. Comme ça, on s'occupe en attendant. Hein. Ah merde, je les ai posés. Ah oui, je les ai déposés derrière. Non. Ah, je les ai foutus où? Mes équipements, ils sont où? Ça va pas le faire. Je sais plus où est-ce que j'ai foutu le marteau et pioche et compagnie. Ah si, c'est bon, je l'ai laissé dans l'autre maison. Non, pas grave, on a toujours le niveau 2. Bon, malheureusement, comme vous l'aurez compris, hein, y a pas de moyen de faire despawn le squelette qui est déjà là. C'est le problème en fait, hein. Aïe, aïe, aïe. Donc ouais, la machine, je vais la mettre là. Comme ça, on aura l'escalier sur le côté en marbre. Je tiens à préciser, ça sera que du marbre. Je sais que le marbre, il va pas me le casser. Donc 20, on va faire tout de suite la cape. Non, on peut pas la faire. Oublie. On a full inventaire. Donc la cape que j'ai, la cape de Lox, on va la dégager. On va aller chercher l'autre cape. Comme ça, dès qu'on va tomber de grande hauteur, là, on pourra jeter littéralement d'une falaise sans mourir. La mèche, j'espère qu'elle a une belle gueule. Oh, elle est pas mal. Donc ouais, c'est 3, 5, ouais. On va pouvoir améliorer. Oh, aussi, vous voyez, j'ai modifié ça parce qu'en fait, à chaque fois, je faisais des allers-retours entre la maison et ici pour tout réparer. Et au final, le fait de tout centraliser, c'est quand même bien mieux. Bien plus simple aussi. Donc là, il nous reste un truc à voir et à faire. C'est le bâton de protection. Pour le bâton de protection, je sais pas ce qu'il faut. Et regardez. Là, on tombe au ralenti. Bâton de givre, de braise, protection, voilà. Alors, c'est 20 bois d'hydrasile, on en a 10. Et 16 à être raffiné. Bon, on va aller chercher le bois d'Yggdrasil. Ah, regardez, on a une petite lueur violette là qui apparaît et ça nous permet de pas chuter trop violemment.
J'adore. J'adore, c'est tout. Je n'ai pas plus d'arguments que ça à vous fournir, les amis. Seulement, j'ai envie de tester ça en profondeur. On a du lapin. Bouge de là, toi. Ah, t'es bien le squelette là, mais tu casses les couilles, hein. Donc ouais, l'avantage c'est que maintenant je peux me jeter d'une falaise sans mourir. Ah mais attendez, elle a 1200 de résistance quand même, hein. Durabilité 1200. En niveau 1. Ouais, 103 d'armure, bon. Je vais s'en passer un petit peu, hein. Attendez, c'est pas ici que j'avais laissé ça. Atomisé. On l'a atomisé. Faut que j'aille vérifier, mais il me semble que c'est pas ici que j'ai déposé les équipements. Bon, là il y a un marteau. Parce que j'ai pas la hache, hein. Donc ouais, je sais où est-ce que c'est. On les a laissés dans les plaines au niveau de la brume là, de l'autre côté. J'aurais dû les prendre parce que j'aurais pas dû les laisser dans le coffre qu'il y a là-bas. Voilà. Bon, maintenant on va pouvoir repartir aller chercher du bois d'Yggdrasil. Enfin. Par contre, le seul truc que je suis un petit peu déçu dans Valheim, c'est le fait d'avoir si peu d'espace d'inventaire. J'aimerais bien en avoir beaucoup plus. J'avais vu qu'il y avait une pousse d'Yggdrasil dans le coin, voilà. Tiens, il y a un arbre là. Et 2, 3, ça nous en fait 20. Bah c'est parfait. On fait 8. Du coup, attendez, parce que ça c'est quand même un tout petit peu plus large. Et on va aller chercher un petit peu de pierre, finir ça, chercher après le minerai. Enfin quoi qu'on peut prendre directement le marbre et la pierre. Hein. Prendre ça ici. Ah merde. J'ai plus que ça, c'est vrai. J'ai oublié qu'on avait utilisé le marbre essentiellement pour faire le bâtiment. Du coup je sais pas si la pierre va prendre du dégât, mais c'est électrique et... Normalement non, hein.
Alors on est... là voilà. Oui, ok, c'est du minerai de gobelin qu'il nous faut. Donc on va faire un truc, c'est que... Et puis on en a pas besoin. Et surtout... Ah, j'aurais dû faire ça depuis tout à l'heure. Pas vu qu'on a. À chaque fois, j'oublie que j'ai la lueur et. Je prends pas ce qu'il faut. Attendez là. Elle veut pas ramener? Merde! Faut que j'aille en chercher.
Putain, j'en ai que 3. Bon, l'avantage, il nous reste plus de tissu à faire. Mais l'inconvénient, c'est qu'on va être douillé pour avoir ne serait-ce que quelques grammes de sève. Hein. Ça va être chiant. Alors, on n'a pas de... Attendez, il en reste combien là-bas? Ah là, il en reste que 15. On va voir si la structure elle prend du dégât ou pas. Mais logiquement déjà l'arrière ne devrait pas prendre de dégâts. Ça devrait être bon en fait. Oh oh oh, t'es tellement mort. Ah, et par contre, ça a tapé jusque là-bas. Hein. Donc là, le problème, c'est que il nous reste qu'une sève là-dedans et ça nous en fait 12. Il nous en manque 4. Il nous faut 4 sèves de plus pour avoir le dernier bâton et être full magique. Donc je vais, on va camper un petit peu devant la sève. Hein. Franchement, j'ai pas le choix. Et je me demande si je vais garder ce plat là, parce qu'on n'a pas assez d'endurance et si je dois me battre au corps à corps. Je vous cache pas, je suis pas confiant, donc on va peut-être prendre la salade qui elle a 80 d'endurance à la place. Ça sera un peu mieux. Comme ça, on a l'endurance, la magie et on pourra se fight comme il faut. Ok, il n'y a plus rien à extraire. Merde, il me faut du bois parce que là on a vidé littéralement la réserve qu'il y avait ici. On va enlever celui-là. Et on va chercher une nouvelle racine. Donc ce qui fait que ce coin là on va le retirer. Toi t'aurais jamais dû venir. Ah quoi que, attendez. Non, ça continue d'extraire en fait. Ah oui, la racine semble assécher. Ok. Donc on va récupérer ça et on va construire les... on va déplacer ça parce que là il n'y a plus rien dedans et là le problème c'est qu'il va nous en falloir. Allez. Parce qu'il me faut le sombre acier.
Enfin, le problème c'est que là, de toute façon, j'ai envie de dire, on peut tourner avec l'épée. Là, on a quand même le cul lourd. Hein. Qu'est-ce qu'on peut jeter? Faut que je jette des trucs, mais quoi? Parce que là, on est vraiment lourd. Vous savez quoi? Non. Les lingots aussi, on peut les jeter. Histoire de trouver une nouvelle racine en attendant. Et l'autre, elle est asséchée, donc moi, ça me plaît pas. Ah, ici. Alors là, on peut mettre... Allez. Donc on va mettre le point kicker ici. Descend. Ouais si normalement on peut. Donc on va tout on va déposer ça sur la nouvelle racine parce que l'autre elle est complètement vidée, épuisée et compagnie. Hit. Allez, monte. Ouais, on va faire ça. Ah bah, comme ça, eux, ils vont refaire du carbu en balle. Donc on va camper dessus. Hein. Là, il m'en faut. On va attendre. Là, celle-là, elle est pleine de vie, pleine de jus, là, à ce que je vois. Elle est bien comme il faut. Ah, ça m'arrange. Hein. On va la siphonner, celle-là. Donc ça va être le problème, il va falloir à chaque fois qu'on saute d'un point à un point encore et encore et encore. Ça va être un problème. Néanmoins, vu ce qu'on va se toucher les amis, on va être bien. Et en plus c'est une grosse racine. Et après si ça se trouve là-bas ça va remettre du jus, on pourra rien intervertir. Donc elle vibre d'énergie mais pas pour longtemps parce que nous on va la siphonner. Ouais, attendre un petit peu, se faire une petite pause les amis et se retrouver dans quelques instants après un petit verre d'eau pour ceux qui le veulent. Allez, à tout de suite.
Eh bien, me revoilà, les amis. Bon. Voyons voir ce qu'on a collecté déjà. Ouais, ici. Ouais, c'est un... non, toi, tu t'en vas pas. Je t'ai dit, tu viens dans mes poches. Je vais creuser un petit peu histoire que ça s'en va pas. Ça se casse pas trop loin. On va planir. Non, ici, faut qu'on aplanisse un tout petit peu mieux. Faire une petite crevasse là, ici. Voilà. Donc, on a. Oh, 10. Nickel. Ce qui fait que. Attendez, parce que ça, c'est à la base, c'est un de mes coffres hein, que j'ai retiré. On va remettre ça. Non. Non, non, il faut pas que je remette ça, il faut que je fasse la toiture là. Ça, c'est le problème, c'est la toiture ici. Ça. Bon, moi là c'est abrité. Faudra que j'abrite ici aussi. Ah oui, cuivre. Bon, bon, bon. Ça nous en fait 22. 22. Et on en a encore 2 à faire. Ça nous en fera 24. Nickel. Le bâton de feu, je l'ai déjà amélioré. Donc il nous manque. Ouais, le bâton de. Que je voulais. Donc le bâton de protection. Et après, on peut améliorer peut-être la cape. Je vais y voir ça. Donc si c'est 4-10, pourquoi on en a 2 drabes. Attendez, ça c'est 3. Ça c'est 8, ouais peut-être qu'on pourrait faire la cape en plume. Allez encore 3, pitié donnez-moi vite. Je veux tester le bâton de protection. On le voit ensemble quoi. Donc ouais, 95 HP, mais avec l'armure qu'on se paye, là on est à 103, sans compter que l'armure, la cape on l'a pas encore améliorée. On sera à 104, 105. Donc il nous en faut encore 2. Je crois que... Attendez, je vais aller voir ce qui me manque pour faire le bâton
Bâton de protection. Voilà, 4 cœurs. 4 pustules, 4 cailloux de sang. Peu importe comment on le prend. Donc j'en ai plus de 50, ça va. Donc plus qu'une. Allez, le bâton de protection, on se le fait. Alors, le 5, on va tester ça tout de suite. Tcho, attendez, ça vient de me niquer de la life là. Attendez. Perdre 40% de vie. Attendez, si je reclique, attendez, je veux savoir. Ah, ça me nique bien ma santé, hein. Donc encore qu'on a ça derrière pour compenser. Parce que si je fais ça, je fais ça. Et derrière, je veux savoir si je peux lui donner un shield, hein. C'est 60. Ah oui, il prend bien un shield, hein. Quoi, ça c'est cool. Et là on va aller envoyer notre petit copain sur ce petit con. Ouais, ça protège bien, hein. Donc ouais, de là en fait je peux littéralement passer tout en protection, parce que c'est combien d'armure ça? Perte des tirs. Valeur des défenses 48 plus 51. Force de blocage plus 20. Bonus de parade x 2. Bah de là tout ce qui reste, je pense qu'on peut se faire une pièce d'armure, hein, si j'ai assez. Donc 2. 5, 6. Ouais non non, on peut pas. On va pas pouvoir. Je vais améliorer plutôt quelque chose. Donc c'est 3, bah tiens, la cape. La cape, on peut l'améliorer. Par contre, le bouclier, ce qui me surprend, c'est qu'il a une durée de vie, lui. Donc 5 et 2. Oh, vous savez... Ah tiens, bah, j'ai les deux là et on va se prendre un stock. Et après, je vais envoyer le... En fait, le truc qu'il y a, c'est vraiment le bouclier, il dure pas longtemps, donc ça m'emmerde un peu. Mais ça devrait passer, quoi. Ça pourrait encaisser un dégât. Ah non, c'était deux plumes. Oh, je me suis fait douiller. Je me suis fait douiller littéralement, les amis. Je croyais que c'était que ça, deux cuirs. Ah non, 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 vous êtes trompé, monsieur, c'est 5. Ah putain. Ce qui empêche que j'ai vu un X là qui traînait derrière. Et j'ai besoin de monter ce bâton là de la magie du sang. Il est là-haut. Ah, il y en a deux. Squelette! Petit, petit, petit! Mais il fait quoi ce couillon? Eh hey, connard, dépêche-toi d'arriver, il y a deux trucs à tuer. Donc je vais me mettre là, on va faire ça. Je vais attendre voir. Ah bah voilà. Allez, let's go. Ok. Tu me fais aussi le deuxième, s'il te plaît, là-haut, là. Regarde derrière toi. Eh, blaireau. Oh, attendez.
Salut, tu m'as vu, tu m'as vu, tu m'as vu, et... Et t'es mort. Je kiffe ce squelette. C'est un sac d'os, mais un sac d'os mignon, quoi. Donc maintenant, on va level up la cape. Je veux savoir ce qu'elle va nous donner juste avant de le faire, bien entendu. Donc nous, on est à... Ouais, level up est faisable. Alors, la cape, elle est à 100, à 1200. 1 au niveau d'armure, résistance, glace et compagnie. Ok. Donc là, ça nous fait 1250, 2 points d'armure, résistance glace, et c'est toujours la même chose en valeur. Ok, on est à 1200, enfin à 104. Je t'aurais pas conseillé de rentrer, mon pauvre, hein. t'es pas bienvenu. Donc du coup, en amélioration... Ah oui, non, mais là, il nous faut le niveau 3, ça sera sûrement dans les prochaines mises à jour. Ah, regardez-moi ce que ça coûte, le bâton de braise niveau 2. Oh, pour passer au niveau 3, quoi. Oh, bon, là, ça passe. Alors, moi, c'est l'éveil des morts qu'on va se faire. On va essayer de se level up l'éveil des morts. Donc, 3. Ou soit de là. Oh, ça nous en fait 5. Va falloir qu'on aille chatouiller encore des campements de cons. Merde. En plus, il faut qu'on récupère ça là. Donc ouais, on a un petit peu de boulot là, un petit peu de taf sur les bras, les amis. Surtout beaucoup de désossage aussi à faire. On va y aller direct dans la foulée. Là, je termine de tout ranger. Là, on en a 4. 4 et 3. Et ouais, 4 et 3, 7. Non, c'est pas bon. Ces carreaux là, bon, on peut les laisser. Le marteau là-haut et compagnie, on en a pas besoin. On a besoin de hache pioche par contre. La hache, on va la mettre là, la pioche ici. La ceinture, pour le moment, on n'en aura pas besoin parce qu'on va tourner la lumière seule de notre petite... De notre petite fée, on va dire. Hein. On va dire que c'est notre petite fée. Même si c'est un feu follet. C'est la petite fée qui nous dit par où il faut qu'on passe. Hein. Donc, le coup maintenant... C'est qu'il va falloir qu'on aille sur les points d'intérêt qu'on a déjà fait, là ceux que j'ai déjà marqué, là on a récolté, ça c'est fait. Donc tous ceux qui sont faits, il va falloir que je les bombarde. Là l'avantage c'est que j'ai tous les bâtons, toutes les magies. Donc si je suis sur le point de me prendre un coup, je peux activer par exemple le bâton de protection. Puis dans la merde, j'active les squelettes. J'ai envie de tuer, j'utilise le bâton de glace ou de feu. Et aussi, il faut que j'améliore l'épée. J'ai oublié. Ah, surtout, faut pas que j'oublie de tuer du lapin parce que les salades et compagnie, quand on a 80 d'enduro, c'est génial. Et du coup aussi, j'ai oublié de dire, il faut que je fasse un truc assez sympa, c'est que... On se fasse tout le set d'armure. Quand je dis tout le set d'armure, c'est celui magique, bien entendu. Faut que je fasse tout ce set magique pour être tranquille. Avoir les tirs qui remontent à bloc. Et je pense qu'on va garder cette config là parce que l'endurance est bien de l'avoir. Surtout que je suis pas du tout à fond. Hein. J'avais pas vu qu'il y avait ça. 6, 7, 8, allez, 9. Voilà. Oh, regardez-moi ça, il vient de m'aider.
Ok, lui il est mort. Par contre, il y a toujours son pote en vie. Hein. Son pote, il est parti où? Oh voilà. Ça c'est réglé. Ah, tissu délicat, génial. Quoi, j'ai tout ça désossé encore. Donc ouais, l'avantage c'est en touchant avec les deux nourritures que j'ai là. Je pense que je vais rester sur ces nourritures là. Hein. Comme ça j'ai l'enduro pour taper. Bon, j'ai pas de vie. Hein. Ça je le sais très bien que j'ai pas de vie, mais derrière... Ah oui, par contre regardez. Petit point qui est marrant, regardez bien les tirs, la barre violette. Dès que je vais taper, elle va complètement s'arrêter. Donc je peux pas taper et refaire une regen deity en même temps. En fait, on va utiliser la pioche, hein. Peut-être qu'on va y aller. Ouais, on fait un 42 dessus, 60. On est déjà à 24. Hein. Ok, donc on va aussi détruire ces piliers là. Histoire qu'il n'y ait vraiment plus de traces de cette structure là.
mais il en est où ce truc là? Ouais, que j'ai pas pris le marteau pour savoir. Parce que là, franchement, ça devient casse-pied. Hein. On va faire ça à la pioche hein. Je sais pas où est-ce que ça en est cette merde là, j'arrive pas à péter celui du bas. Ok, ça nous en fait 48, on est à 236 kg sur 300, bah ça passe hein. Mais sérieux, c'est... Elle est faite en quoi cette structure là? Franchement, elle est résistante de dingue cette structure de merde. Mais attendez. Ah oui, ça fait plus de dégâts l'âge de son brassier là. Un fait qui est dégueulasse, c'est si on utilise la hache. Je vous dis un truc hilarant. Si j'utilise la hache, je ne peux pas regen l'endurance. Par contre, si je fais ça, voilà, on va vider l'endurance. Et qu'on utilise le bâton, bah, l'endurance regène quand même assez bien. C'est dégueulasse. Alors du coup on est à 60, ça on s'en fout, on pourrait en chercher plus tard.
Donc cette structure est complètement détruite. On peut passer à celle-là à la rigueur. Il faut que j'aille voir si j'ai bien nettoyé toute la zone. Et en fait, il faudrait que je fasse gaffe parce que je m'aperçois que l'épée, elle est quand même mal barrée. Elle est quasiment détruite. Hein. Bon, les bâtons, ça va encore. Le glace, il est bien. Bon, le protection, on l'utilisera pas, hein, pas forcément. C'est vrai que le bâton de feu, on l'a level up, donc il a ouais, 250 de résil. Ouais, c'est pas beaucoup ça. Ah oui, d'ailleurs. On peut voler, c'est vrai. J'ai oublié ça, je me disais, mais putain, j'ai peur de m'écraser. Ben non. Non, clairement plus. Regardez ce qui arrive. Oh, mais c'est qu'il fait mal l'enfoiré. Ah mais il me suit. Oh salaud, oh, oh. Tiens, dans ta gueule. T'es mort où? Ah. Tu me l'as tué l'autre là-bas? Oui, nickel ça. Aïe. Bon lui, ça va, il fait pas mal comparé aux autres. Vite, 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 vite. Et joup. Donc on va essayer de la faire rentrer là-dedans. Qu'elle nous fasse un max de carnage. Ici. Je suis là. Allez, vas-y, continue. Et éclate-toi, ma belle. Ici, je suis là. Oh putain. Ici. C'est tellement efficace. Je suis là. Bah, où tu t'en vas? Je suis là. Ah oui, attendez. Passe ça. Coucou. Aïe, aïe, aïe. Eh, ça va, il me détruit bien la structure. Hein. Youhou. Ici. Faudra quand même que je la tue à la fin. Eh, c'est le meilleur destructeur ce bordel. Oh. Allez, on continue là. On tape, on tape, on tape. Eh, mais si j'avais une créature comme ça, mais putain. Allez, par ici ma belle. Viens casser les blocs. Ici, là-haut. Ah, je vous jure, j'ai trouvé mon animal de compagnie pour détruire toute la structure là. Allez, par ici là, viens me taper. C'est gratuit, une structure à dévorer. Tiens, vas-y, continue. Allez, fais-toi plaisir, je sais que t'en meurs d'envie. Oh là 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 là, elle est en train de bousiller tout.
Vas-y, amuse-toi là, défonce-moi la tour. Allez, on continue là, encore quelques coups. Oula. Allez. Allez, on continue. C'est pas tombé encore, hein. Eh oh, ici là. Là, voilà, ici. Voilà, on continue. Allez, encore quelques coups là, aide-moi. Allez, on va se mettre. Oh ici, là, ici. Il faut qu'elle tape là. Bon, si je fais ça, il faut quand même que je l'affaiblisse avant. Ici. Non, t'as raté là. Essaye là, là, tu vois. Voilà. Ah, ça, c'est bien ça. Ah, c'est bon ça. Attendez. Ouais, celui-là, on va le laisser. Il faut qu'elle vienne taper là où est-ce que je suis. Là et celle-là. Ok, elle vient de me bousiller cette structure. Ah, nickel. Ah, elle a bien fait son job. Là, là tout va tomber. Hein. Là, la créature. Nickel. Hop là. Oh, il manque rien pour mourir là maintenant. Ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça aussi, ça aussi. Et surtout... Ah oui non, j'ai pas pris la ceinture, c'est vrai. Surtout, attendez. Parce que là, ça on va le décocher. Comme ça, je sais que c'est ici qu'il faut que je revienne. Regardez-moi tout ce qu'il y a par terre. Donc là, on va se tailler un aller-retour. Là à là. Puis on va revenir ici. Récupérer le restant. Et en fait, on va faire des allers-retours parce qu'il m'en fout tellement... On est là, c'est là-bas. Ah, c'est tellement cool de pouvoir sauter du haut d'une falaise en se disant « Putain, je vais pas mourir. » On va rien se prendre en dégâts. Ça, je kiffe. Du coup, ah bah oui, j'ai pris ça. Ça, je m'en fous. Ça aussi. Ça, je le garde, hein, il me le faut. En fait, je vais pouvoir sauter limite de la montagne pour venir là. Oh, tellement jouissif. Je suis tellement heureux maintenant de pouvoir sauter de là où est-ce que je veux. Alors, désolé de l'avoir fait sans vous, hein, de toute cette récup de tissu. Mais là, franchement, regardez-moi ce que ça nous donne. Bâton de glace, bâton de feu, on a toutes les protecs. On a les squelettes. Et surtout, voilà. On peut sauter comme un fou furieux sans mourir. D'ailleurs, je sais pas si ça prend de l'endurance de sauter comme ça. On va voir ça vite off. Ah si, ça prend un peu d'endurance. Hein. Allez, crève! En quoi c'est pas trop dégueu hein, l'équipement qu'on a au final. Ah non, ça prend. En fait, ça prend pas d'endurance de sauter. Attendez. Ah non, ça prend pas d'endurance. Je pensais, mais non. Il y a que si j'appuie sur Shift pour aller plus vite. Donc ouais, c'est pas mal hein. Je vous l'avoue, c'est je kiffe ce vêtement. Toi, mon pote, tu vas te désosser plus tard. Donc ouais, je pourrais m'attaquer aux os pour récupérer tout simplement ça, mais autant s'attaquer aux structures. Hein. Il y en a potentiellement plus. Ça, ouais, ça prend du temps. Mais si j'arrive à avoir une fourmi. Un gros destructeur, je pense que ça passe largement bien. Donc je vais faire les allers-retours, mais base en fait. Base ici.
Arrête pas de venir. Elle est venue, elle a vu et elle s'est fait détruire. Donc en gros, ce que je pourrais faire, c'est monter tout en haut de là-haut et sauter pour aller à droite dedans. Mais non, on va pas faire ça, je suis pas assez fou. Donc ici, on peut mettre ça. Je vais continuer à faire les allers-retours. Hein. Et ouais, j'ai pas de bois pour faire la suite. Ça... Ouais, quoique, attendez, je dis j'ai pas de bois, mais en fait, je peux aller très bien récupérer le bois qu'il y a à la structure. Hein. Ou même ici, comme ça, on se met plus de coffres. Donc ouais, vu que là, je suis... J'ai pas trop envie de tuer les bestioles n'importe comment. En réalité, le bâton de feu, je vous cache pas, je vais m'en servir seulement si je peux tirer de à longue portée. Ou s'il y a un groupe important d'ennemis. Voire même les dingueries. Hein. Les dingueries, c'est pas trop le problème. Donc je peux les tuer avec le bâton de feu. Mais les bestioles, je préfère largement les ralentir pour les tuer. C'est plus facile. En plus, le bâton, il bourrine en continu, donc... Ah, je vous cache pas, quand vous avez une mitrailleuse dans les mains, vous allez pas choisir un pistolet, hein. Ah bon, ouais, c'est un petit peu dur à toucher les animaux. Avec le bâton de glace. Néanmoins, tellement que ça mitraille, il y a juste à tirer un petit peu, vraiment à la Walogan dans tous les sens. Pitié, dites-moi que j'ai des carreaux. Oui. Hop. Merde, j'allais dire raté, bah non. Ah, œil dans pendant, ma pauvre. Hein. Là, t'as commencé, moi je vais t'enculer. Allez, c'est parti. Allez, prends tes balles, prends tes munitions. Tu m'as commencé, moi je le joue aussi. Hein. Ah bah oui, pauvre créa, quand t'es pas sûr de pouvoir me tuer, hein, tu viens pas. Ok, là on a le shield. Ah, on n'a pas pris de dégâts. Merci le bouclier. Ah, the shield les amis, franchement. C'est la life. Voilà que je tourne plus souvent avec. D'ailleurs, on va s'en remettre un petit. Voilà. Ah, donc les combats là, franchement, le shield en termes de combat. Ah, par contre, on a 5 ans. Ouais, une minute de barrière, de bouclier. Ah oui, carrément, on a fumé toutes les créatures ici. En un shoot. J'adhère. Donc ouais, c'est le shield, franchement. Ceux qui disent que c'est pas terrible. Faut... Vu ce qu'on vient d'encaisser de dégâts à l'instant, parce que là, il nous aurait mis mid-life, voire même mort. Avec si peu de vie, on était mort, hein. Clairement. Un shield, impec. C'est impeccable. Bonne protection, on n'est pas mort et on a niqué la bébête. Donc ouais, avant tout combat, maintenant, je vais mettre le shield. Et l'avantage, je pourrais le donner aussi aux bestioles que bah, je tue. Donc si possible, dès que j'engage une bestiole et que je veux pas mourir et que je veux pas tuer un camp par exemple, je peux engager mon shield sur les créatures qui sont à côté et eux et vice versa. Voilà. Ouais, je monte là-haut, j'utilise la cape et on redescendra facilement comme ça. Allez, allez, enduro. Putain, c'est vrai que j'ai pu. Attendez. Ah là, il y a un truc qui est mort, c'est quoi?
Oh, elle est morte, c'est bon. Marbre noir, ok. Tant tu as un gigose. T'as en plus le camp qu'il a. J'ai pas voulu le cacher. Mais c'est en ramenant des créatures que je l'avais tué. J'arrive pas à sortir de l'eau. Je suis en train de me noyer parce que j'arrive pas à sortir de cette putain d'eau. C'est horrible. Je le conseille pas quand ça arrive. Hein. Allez, sort ton cul de l'eau. En quoi est... pour ceux qui ne le savent pas, parce que ouais, je l'accorde, j'ai pas trop expliqué aussi ce biome, j'en ai pas trop parlé, mais toutes les créatures type fourmilier, donc celles qu'on détruit, les grosses là aussi, tous les points faibles, donc elles sont résistantes à tous les dégâts de face, parce que leur coquille, leur corps est plus ou moins blindé, si je peux dire, mais il y a une exception. Il y a une exception où est-ce qu'elles prennent tous les dégâts, c'est de dos. De dos, elles prennent absolument tous les dégâts. Donc il n'y a aucun dégât qui ne leur est pas fatal, à part le bâton de feu, bien entendu, qui est un sort de dégâts de zone. Donc lui, il fait exception en fait à la règle. Mais pour le reste des armes, je veux dire, que ça soit tranchant, coupant, perforant ou autre, bah, si vous tapez l'arrière de la créature, en général, elle va prendre un gros paquet de dégâts. Peu importe le type d'arme. Déjà, ça je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous. Ça aussi. Le seul truc qui m'intéresse, c'est ça. The marbre. Ça. Mandibule. Donc on en a 106. Donc ouais, pour ceux qui se posent la question pourquoi je viens prendre le marbre ici au lieu d'aller miner, ou c'est juste que j'ai la flemme de miner. On a tout. Ouais, c'est parti, on rentre. Ouais, non, on va pas la prendre. T'en fous en fait. C'est déjà ce qu'il faut en tant que lumière. Donc, de toute façon, on va tout droit. Nous, on va ressortir de là. Et faut que j'aille chercher. Le bonus de enduro, parce que là franchement, même si c'est un petit set que, enfin non, c'est 5 je crois à la base qui est là-bas, faut quand même que je le prenne. Donc ouais, finalement je vous cache pas, je suis pas déçu d'avoir fait la cape, hein. J'avais un petit doute. Bon là le doute il s'est complètement évaporé. Par contre, est-ce qu'il y a un truc pour la protection? Donc ça, c'est magie élémentaire, ça, je présume. Ah non, offrande de sang. Ok, c'est une offrande de sang, donc c'est la même chose que l'éveil des morts. Donc en gros, si je me prends... Ouais, je pourrais faire un truc pour améliorer la magie du sang. Facilement, hein. C'est je prends un squelette de corps à corps. Et je l'envoie sur n'importe quelle créature, comme ça, ça nous coûtera déjà moins cher dans la magie du sang. Enfin, le coût en sang sera moins élevé. Ouais, bah, ça nous prend rien en endurance, hein. Hormis si je fais ça comme ça. Allez, là on prend de l'endurance, là on n'en prend plus. Donc ouais, si vous faites... Il faut pas faire shift, hein. En volant, faut pas faire shift. Sinon on consomme tellement d'endurance, on va tirer au sol, on en a plus. Donc ouais, du coup, on va augmenter la magie du sang parce que magie du sang, elle est payée. Et d'une, avec les tirs et avec le sang de mon perso. Et pour tout simplement, les dégâts et tirs et perte de santé quand j'utilise la magie du sang,
peux vous garantir que ça me fait triper. Parce que là, pour le moment, on perd de grosses quantités de... On perd combien, d'ailleurs? Là, on perd... Une valeur défense. 40% de vie. Et ici, on perd... 40%... Ouais, bon, pour les deux, c'est la même chose. Et moi, le but, c'est que je perde quasiment plus de sang quand j'utilise ces magies-là. Parce que, bon, elles sont hyper cool. Mais hyper voraces. Et mon perso qui a déjà pas beaucoup de vie, si je lui dis, tu sais quoi, t'en auras encore moins, je pense qu'il va faire la gueule. Quoi, du coup, bah, vu qu'on a les deux, on va peut-être faire un petit aller-retour base, histoire d'aller déposer les minerais de marbre. Je crois que j'ai entendu du squelette là dans le coin. Oui, là-bas, il y a du squelette. Attrape! Ah, touché, je crois. Vous voyez, je me mets entre lui et le gobelin. Je fais des parades parfaites et lui va me le tuer. Par contre, il a pas intérêt à m'attaquer le lock, sinon je pète un plomb. Je le dis tout de suite, là je câble. Mais ouais, voilà la seule façon que j'ai trouvé de pouvoir monter la magie du sang rapidos. Hein. C'est une façon comme une autre de faire, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ouais, si je les renomme, là, ils sont effrayés, mais si je les renomme, normalement, ça va. Donc attendez, hop, 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 hop. Ah oui, ça, faut que je jette par terre, je peux pas le garder. Par contre, faut qu'on y retourne. Hein. T'as vu un truc, toi? Non, ça va, il a rien vu. Si ce n'est les trois pales de mon cul. T'es pas suicidaire, toi? Non, non, il est clairement pas suicidaire. Hein. Il a juste paralysé qu'il y avait un truc qui était en train de charger un sort de feu à côté de lui. Mais il est pas suicidaire. Donc ouais, du coup, on va rentrer bah, par là où est-ce qu'il y a les eaux. Par la colonne d'os. Ou sinon, ouais, non, de toute façon, j'ai pas envie de la récupérer tout de suite, celle-là. Simple et bonne raison, hein. C'est que je, vu qu'elle est relativement proche de l'extérieur, enfin relativement proche des terres, des plaines, j'ai pas forcément l'envie d'aller la chercher tout de suite. Quand j'entendais un truc parler, et je pense pas que ce soit le squelette. Peut-être que c'était là-haut, hein. Quand on y était. Enfin bon. Ouais, c'est là-haut. C'est bien là-haut. Ça doit être deux petits cons là qui nous attendent en haut. Et je vais pas pouvoir encaisser les deux. Il y a un magicien dans le tas et l'autre, c'est un enfoiré. Attendez, parce que ça, je m'en fous, hein, clairement. J'en veux pas, hein. Ah, je veux juste du marbre. M'a fait peur, mon enfoiré, oh. Par où il est passé, cet enculé? Grosse merde. Enfin, j'ai ça, mais moi, je le fume au bâton de feu, alors... peut-être pour un mieux. Ah,
Hey, mon salaud, tire dessus s'il te plaît. Magie élémentaire 24. Attendez, ils vont pas me dire qu'il y a un gobelin qui traîne là. Ah non, c'est qu'ils sont pas loin, ok. J'ai eu peur qu'ils soient ici en fait avec moi. Ah non, ils sont pas là les gobelins. Ils sont pas assez. Sont cons mais pas assez pour venir ici. Il y a du fight là en bas. Attendez. Allez, la magie du sang là, s'il te plaît, monte. Tue-moi cette merde. Pour ça là, regardez-moi. Il va me le tuer en un coup. Pour ceux qui connaissent pas l'expression run pour ta vie, je vais vous la montrer. Déjà toi tu vas me lâcher. C'est là-bas que je voulais aller. Pitié faites que c'est un bâtiment bien cool pour moi. Non mais merde. Ah c'est... là c'est mal barré hein. Ouais, franchement c'est mal barré, en plus c'est un os. Ouais non je l'ai marqué celui-là. Prendre ça, ça. Il veut le verg là, le petit con. A croisé un petit con là, je peux lui ramener. Non, c'est... non, c'est pas lui. Il s'est fait étaler hein, le petit con là, en 30 secondes il s'est fait plumer. Faut que j'arrive à mettre, voilà, ici. Ouais non, il y a merde, il peut monter en plus le salaud. Bah allez, on va devoir le tuer à coup de bâton de glace les amis. Je peux pas utiliser la magie du sang dans ces conditions. Il faut en fait un endroit où est-ce que lui il ne peut pas grimper. Il me faut ça, il me faut aussi une super chaîne de d'Aitir là. On l'a mis seulement. Waouh! Oh mon pauvre perso, désolé! Pitié que tu puisses pas monter là. Oh nickel! On va te niquer maintenant. Bah, je l'aurais mauvaise si elle peut monter. Hein. Donc là on va régénérer tout ça tranquillement. Ah. Ah vous savez quoi, ah, tu vas te prendre des chaos dans le cul. Ah, où tu vas morue?
T'as décidé de me montrer ta tête, tiens. Ouais, ça enlève pas beaucoup, hein. Vous allez me dire, mais ça la refroidit suffisamment pour l'emmerder. Et en plus, attendez, on en est où là de magie? 24. Donc le bâton, il fait combien? 12, 21. On va monter la magie grâce à lui, en fait. Je vais savoir si ça monte bien avec. On est à la moitié du 24. Ah, ça monte un tout petit peu quoi en fait. Bon, c'est toujours mieux que rien du tout, hein. Alors du coup ça nous a monté jusque... Ouais. C'est pas terrible hein. Néanmoins on a réussi à la tuer, moi je suis heureux de ça. Niveau 1, à tuer c'est l'enfer. Attendez, ça, 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 ça. Voilà. Ah, il faut qu'on transporte du marbre hein. En fait, le seul truc qui nous empêche pas de regen la magie, c'est quand on court. C'est le seul moment où est-ce que je sais que la magie se regen quoi qu'il arrive. Il est où le morceau de cuivre là? Je viens d'en récupérer un, je crois. Ah oui, le voilà. Bon bah voilà, on a encore, vous voyez, on va avoir plus de 300 minerais. Ouais, juste au-dessus. Taillou, taillou! Alors c'est pile pas par là où est-ce que je veux aller, mais bon. Allez, vite, vite, regène, regène, regène. Peut-être pas bon en fait ce que je viens de faire là. Ouais, c'est franchement pas une bonne idée. Vite, 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 vite. Pourquoi? On était si bien parti et là, ça se passe si mal. Putain, j'ai pas fait gaffe à cette saloperie de bestiole. En plus, il n'y avait rien quand on était passé la première fois, mais il y en a une qu'on repasse. Fait chier.
va se prendre ça, ça. C'est vrai que j'ai plus de quoi faire une petite salade. Y a pas de miel là-dedans. J'aurais juré que j'avais du miel la dernière fois. J'ai foutu où? On va se prendre ça. Hein. C'est un mix entre les deux. Nourriture enduros. Endurant. Comme ça, on aura un petit peu d'endurance, un petit peu de. De stam. Il faut vraiment que là je puisse revenir avec le stuff et là j'aurais pas... En fait je me suis enfoncé là alors que c'est là que j'aurais dû passer, j'aurais dû forcer le passage. J'aurais dû dire ah, je m'en fous de la créature, on va se casser rapidos et puis voilà. Et pas foncer dans l'autre sens quoi. Enfin bon, de toute manière, on s'en... Ouais, en fait il faut pas que j'oublie que là si je saute d'une montagne, je meurs. C'est le seul truc qu'il faut pas que j'oublie. Je peux pas sauter d'en haut comme un bourrin. Le ballon il est toujours là hein. Attendez, il était ah non il est là. Alors putain il a despawn le truc alors qu'il était juste là. Rancune, vous connaissez la rancune? Alors je suis rancunique dans les jeux hein, je vous le précise. Touk en ton cul lulu. Ah, tu vas pas venir. On va te niquer à distance, y'a pas de problème. T'as dit non, tu viendras pas. Ah, celle-là, elle a pas fait assez mal, c'est ici qu'il faut que je vise. Oh, ça fait mal, hein. Oh, vous, ça fait mal. Saloperie de créature. Moi aussi, je sais te jouer, hein. Ah oui, tu peux grogner tant que tu veux. N'empêche en rien. Ah ah ah! Attends, t'es ton tir! Ah là, moi aussi je sais te niquer! Voilà! Terminé! C'est plus facile quand on sait où est-ce qu'elles sont les créas. Donc en fait je m'étais pas gouré vu là où est-ce qu'on est revenu, je peux largement repasser par ici. Par là, se faire un petit... Ouais, on va faire un saut de l'ange, allez hop. Ah, c'est vrai que je peux faire ça. En fait je sais même pas si j'ai vraiment besoin de la loupiote. Vous savez le feu follet, je sais même pas si on en a réellement besoin. Parce que quand je retourne chercher mon cadavre, en général on l'a pas et on arrive à bien se démerder et à esquiver toutes les créatures. Donc le feu follet c'est bien mais voilà, en plus. Enfin, c'est bien pour trouver les structures aussi, hein. J'oublie. Et sans le feu follet de toute façon on les trouverait quand même. D'ailleurs ici il y avait des créatures qui parlaient tout à l'heure, elles sont où? Là, il y avait des bavards ici.
C'est là qu'on était tout à l'heure et ça parlait. Enfin bon, là on a ce qu'il faut. Bon, je pense qu'on va, ouais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Tranquillement. On a rempli les objectifs du jour, qui étaient de récupérer du marbre, faire les bâtons. Je les voulais tous et on les a tous. On a aussi trois tissus. Je pensais qu'on en avait deux. Donc on va se faire les deux tissus. Je vais améliorer l'éveil des morts. Le bâton des morts, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Moi je l'aurais. Ouais, en fait, non, c'est bien ça. C'est une grosse connerie. J'ai ravalé avant. Donc, oui, l'éveil des morts, je suis heureux de l'avoir. Ça, en fait, on s'en fout. Et. Ouais, je sais, ici, ça sera un dépotoir la baraque, mais. Je suis en train de faire vraiment un dépotoir de la maison. J'en veux pas, allez, hop, on jette ça par terre. Non, plus tard, on rangera tout ça. Ou ça despawnera, peu importe. Donc ouais, là je vous cache pas, je suis pas mécontent parce que je voulais un petit peu de quartz. Bon, on en a 100, 200, 300, 400. Non, attendez, 100, 200, 300, 313. Ah oui, c'est vrai que hop. Ah, on peut que avoir ça dans les poches, hein. Ouais, 313. Ah, j'ai oublié d'y mettre ça. Donc ouais, je suis pas mécontent de la part qu'on a, clairement. Parce que je m'attendais. Ouais, je m'attendais pas en fait. Je m'attendais à pas grand chose. Hein. Je préfère ne pas m'attendre à grand chose comme ça. Je suis toujours surpris d'avoir quelque chose. Oui, c'est une logique un peu con, mais bon. Là, on n'a plus rien. Là, ça fait 5 et 4, 9. Donc ouais, on peut améliorer l'éveil des morts. Et en fait, il faudrait vraiment que je réduise drastiquement le coût en mana de l'éveil des morts. Parce que là, ça fait quand même mal hein, de les invoquer. Ça fait très mal d'invoquer les squelettes. Néanmoins, en tournant dans la forêt noire, là vous savez, je peux rester AFK dans la forêt noire, je sais qu'ils me tueront pas. Franchement, j'en doute. Il y a zéro chance qu'ils me tuent dans la forêt noire. Donc ce que je pourrais faire, c'est limite me mettre AFK dans la forêt noire en pleine nuit et me mettre de la musique dans les oreilles, regarder une petite vidéo YouTube et... Et je suis sûr, je risque pas d'y passer. J'en suis sûr, j'y passe pas. Le squelette, il va bien me défendre. Et si le squelette, il meurt... Bon, là, ça va être un peu plus problématique, hein, mais bon. Dans l'ensemble, normalement, je suis pas censé mourir en forêt noire avec un squelette pour me protéger. Que ça soit un corps à corps ou un distant. Ce qui empêche qu'il faudra quand même que je récupère plus de tissu. Parce que c'est problématique hein, au final de pas avoir de tissu. Donc ouais, l'avantage c'est que ça prend pas de dégâts parce que c'est protégé par la machine. D'ailleurs c'est du quartz. Enfin du marbre, donc ça ne prend pas de dégâts non plus. En fait c'est bon. On est bien. Non. Oui. Du coup, c'est vrai que la ceinture, je l'ai pas prise.
Donc on va aller poser un petit peu de marbre d'ailleurs, juste avant de se quitter. Hein. Faut que je continue de construire parce que... Là, le problème c'est que depuis le début, bah, il faut que je fasse le bâtiment. On n'avait pas forcément la ressource, là on l'a. Autant en profiter un peu. Je vous ai pas dit, mais en fait, je me suis aperçu d'un petit truc qui me posait problème. Il va falloir que je surélève encore d'un niveau la structure ici. Donc toi, t'es pas bien posé. Attendez, parce que... Ah, je me disais que j'avais foiré quelque part, mais oui. Regardez. Je sais pas où est-ce que ça merdait. Et je sais que ça merdait. Hein. Et là, normalement. Voilà. Donc voilà, après il faut que je refasse une rangée juste au-dessus parce que là-bas il faut que j'encadre la porte avec. Et je vous cache pas, ça, le dessus là il faut vraiment que je m'en occupe. Hein. On va s'en reprendre 3. Donc ouais, ça devrait être bon. En plus le marteau il est pas cassé. Ah merde, elle est là-bas aussi. Ah, vous savez quoi déjà pour commencer? On va terminer ici. Merde, tombé. Non. Et putain, pourquoi je tombe en fait là? Pourtant je marche bien dessus, mais non.
pour ça qu'il y avait un truc qui n'allait pas ici. Voilà, ça se passe mieux quand je mets les bons blocs aux bons endroits. Donc on a encore une rangée à monter. Pour être tranquille. Hein. Et au-dessus on pourra remettre des portails. Donc si je remets une rangée de plus les amis, c'est pour une bonne raison. C'est que la porte en fait j'ai pas envie que ça fasse ça et que au-dessus ça soit dégueulasse. Donc ce qu'on va faire c'est poser une deuxième rangée au-dessus de la porte. Merde, j'ai pas d'endurance pour sauter comme un idiot, je le fais. Salade. Donc ouais, du coup on remet une série au-dessus là, pas tranquille. Donc on va prendre... Ah oui, la table, ça serait bien que je la ramène. Bon voilà ce que ça devra donner l'entrée. Contre la porte je me questionne parce que là on dirait qu'elle ressort quand même pas mal. Hein. J'aimerais bien qu'elle soit bien ancrée. Es-tu sérieux ? Attends-moi là, je reviens tout de suite. Ah oui, non, c'est pas ça. Ah bah j'ai pas les autres, j'ai plus les champis. Ah les boules. Bon bah je suis désolé, mon compagnon ne peut pas venir actuellement. Mais je peux te déglinguer. Il faut que je fasse des champis farcis et malheureusement je n'ai plus champis farcis. Donc enfin, c'est ça le problème, c'est que si j'ai plus la nourriture pour produire de la magie, on peut plus en faire en fait. C'est aussi con que ça. Donc du coup pour les champis farcis, en fait c'est ce qu'il y a là. Voilà. Et vu que j'en ai pas, c'est un petit peu le problème. Néanmoins, est-ce que j'ai... Normalement j'ai les crânes. Oh, ah si, ici. Et les os. Et on va aller améliorer l'éveil des morts. Alors, éveil des morts. Alors, attends. Elle était... Des morts à 2. Donc là on a valeur de défense de toute façon. Attendez, je refais la compa. 48-51, ça ne bouge pas. On a 250 de dura, ça c'est meilleur. Et on va le faire. On va voir ce que ça nous donne. Oh, je rajoute de la lumière ici. Donc, ah oui, c'est vrai que 83, il faudrait que je mange un champi. Normalement, on devrait invoquer des morts.
Voilà. Sors de ta tombe. On te réinvoque. Alors, Shift, G, E, Cut. Cut, cut, c'est mieux. Allez, bouge ton cul. Il est à peine sorti, il est déjà flemmard l'enfoiré. Donc ouais, ça nous apporte quoi en fait? Parce que ça doit sûrement jouer sur la vie de la bestiole. Ou ses dégâts, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée de ce que ça vient de nous donner, l'amélioration. On fait de tic. Ah ouais. J'en ai rien à faire du trophée tic, pour être sincère. C'est pas un truc qui... Ouais, qui me... Ça me passe vraiment au-dessus de la tête en réalité. Donc ouais, du coup, là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a tout. Oui, on a tous les bâtons. Alors ça, c'est un objectif que je voulais me lancer. Récupérer tous les bâtons de magie. Comme ça, j'ai le choix de ce que je veux faire. Je peux faire ce que je veux en fait. C'est surtout ça l'avantage. Maintenant qu'on les a tous, bah en fait on peut soit aller tuer les Certling avec le bâton de glace ou l'arbalète. Moi je préfère l'arbalète parce que ça, les carreaux volent très loin et très bien. On a les carreaux de son brassier, de toute façon son brassier. Je vous montre un petit peu ce qu'on a en son brassier. Parce que oui, toutes les nuits moi je... Enfin... Chaque fois qu'il fait nuit en général et que je suis pas en live, je vais chasser. Donc voilà, 3, 6, 9, 12, 15. 150. 150, 161 minerais. Sans compter qu'il y en a 17 qui sont pas forgés. J'en ai peut-être encore dans les fourneaux qui sont ici. Non et non plus. Bon, bah, c'est pas grave. Donc ici, il nous reste la robe, le pantalon... Le briseau permet de briser le sceau d'un dvergue. Ouais, mais je sais pas à quoi ça sert. Le capuchon, le pantalon, la robe, il nous les faut en fait. Hein. Si on veut vraiment jouer full mage et avoir une regen de bâtard, parce que là, chaque fois, j'attends avant que mes sorts se reset, il me faudrait ça en réalité. Donc la robe, le pantalon et le capuchon, il me les faudrait. Mais ça nous porterait... En fait, on serait vraiment pas résistant. Parce que là, à 104 d'armure, vu les tatanes qu'on se prend en pleine tronche. Ça, c'est quoi couche additionnelle. Hein. Regen, vitesse de déplacement, plus moins 2. Total moins 10. Armure, on est qu'à 16. Par contre, le poids, il est intéressant. Ah non, 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 même pas, attendez. Ça, c'est la robe, la robe, la robe. Ça, c'est les jambières, ça, c'est la robe. Ah oui, on est à 10 kilos. 10 kilos contre 5. Ah mais en gros, on va courir tellement plus vite. Bah on va se faire ça. Hein. Vous savez quoi la prochaine fois? On part trouver les terres brumeuses. Et on essaie de se faire la robe, le pantalon et la capuche. Parce que là, vu le poids, les moins 2 en rapidité, on peut aller jusqu'à 10. Donc 2, 4, 6. Ouais, pour 1 kg. Par contre, ça va être chiant parce que... J'ai envie de dire, ces équipements-là sont pas vraiment forts pour nous. Mais ils sont clairement pas assez forts. Donc ici on a quoi qu'on pourrait faire? Donc le marteau Jotnar, le fléau du Jotnar. Ah donc c'est une arme de poison. Coupant poison, non merci. Par contre ça peut ça m'intéresse, hein. Échine brisée. Enfin, on a l'arbalète donc j'en ai pas besoin. À 200 pour... Ouais 72, va te coucher. Scoliati. J'ai envie de dire, ça m'intéresse pas.
Prends le casque qu'on l'a. Ah, la targe, il me la faudrait peut-être. Mais je suis en train d'y réfléchir et si je regarde bien ici, tu peux améliorer le bouclier jusqu'au niveau 4. Là, je peux l'améliorer qu'au niveau 2. Cette puissance masse, hein? Non. Lance carapace, perforation. On a crâne et on a ça. Aiguisé à la perforation. Hein. Bah oui, elle est assurément mortelle une fois que t'as tué ta cible, c'est bon. Donc ouais, non, en fait, on va pas trop toucher le reste. On peut rester avec l'équipement qu'on a parce que le bouclier pour l'instant, même si je fais la targe de carapace, je ne pourrais pas la level up. Enfin, je pourrais la mettre au niveau 2, sauf que mon bouclier est déjà plus avancé et je peux le mettre au niveau 4. Donc là-dessus, le bouclier qui nous propose ici, là, les deux boucliers, ne servent à rien. Le seul truc qui peut vraiment m'intéresser, c'est vu que je vais jouer full magie, ça serait les robes de magie en fait. En fait, il n'y a rien d'autre. Je vois rien de plus qui peut m'intéresser. Là, on a 12. Donc ouais, il va falloir que je refasse des camps de l'autre côté. D'ailleurs, est-ce que j'ai supprimé celui qui était ici? Non. On a encore ça à faire, ceux-là à aller voir. Donc si t'as abandonné, ici, ici, et là il y a un truc que je savais pas ce que c'était. Donc ces sites-là, il va falloir que je les fasse et que je continue de dévoiler parce que là il y a une partie ici, je sais pas ce que c'est. Faut que je trouve de nouvelles terres brumeuses. Là c'est de la plaine. Là on a un kraken, là on a les monstres ici, il va falloir que j'aille chasser. Enfin, j'ai marqué monstre mais c'est des serpents quoi, serpents marins. Il va falloir qu'on se mette à la chasse aux serpents là aussi les amis. Donc je vais devoir reconstruire un petit bateau parce que je me vois pas emmener le gros hein, pour aller attraper, enfin harponner plutôt un serpent et le ramener sur le rivage. Donc ouais, on va s'amuser avec le harpon. Si je me souviens où est-ce que je les ai mis. Normalement j'ai un harpon qui traîne. Ah, je l'ai foutu où le harpon? Allez voilà. Donc ouais, on va prendre le harpon et la prochaine fois les amis on jouera à aller chasser des monstres. Et puis voilà. Allez, sur ce moi je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'espère que ça vous aura plu ce qu'on aura fait aujourd'hui, la présentation de ces quelques petits bâtons. Et du coup on ira chasser la prochaine fois un serpent, voire même plein de serpents qu'on devrait ramener sur les plages pour pouvoir les tuer tranquillement. Donc pour ceux qui ne savent pas comment faire, bah vous le verrez la prochaine fois, comment on tue un serpent rapidement et surtout comment on récupère ses loots parce qu'en plein eau on ne peut pas. Allez, sur ce, bonne soirée à tous, merci d'avoir suivi le live ou bien la rediff. Enfin, n'hésitez pas le petit pouce bleu sur YouTube, à vous abonner aussi. Et moi je vous souhaite, enfin je vous dis bah maintenant à demain, je sais pas sur quel jeu, hein, on verra bien. Allez, ciao ciao, bonne soirée, à la prochaine.